Gallagher! Yep tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau Sunday Log. On va partir directement dans un mode de jeu de... Non, on va faire le petit bion, on va aller en team deathmatch, c'est bon, oh, on fait plus de compétition sur code, on se calme, calmaté. Non mais voilà, on est parti pour un petit Sunday Log. Déjà je tenais à vous remercier énormément pour tous vos retours positifs que j'ai eu sur mon commentaire que j'ai uploadé, fin de ma carrière code, que ce soit en termes de commentaires, j'ai eu énormément de commentaires construits, la plupart qui ont compris, il y en a qui n'ont voilà, pas trop kiffé, mais voilà, j'ai eu énormément de commentaires, ça m'a fait plaisir, énormément de pouces bleus, franchement à ce niveau-là, bah, je peux que vous remercier. Il y a eu pas mal de vues, certes, c'est vrai, mais après avec un titre provocateur, fin de ma carrière, cette petite énigme, tu vois, qui donne envie de cliquer même à la personne qui tue plus, le fameux putaclic. Après c'est pas trop du putaclic, tu vois, parce que c'était vraiment, je parlais vraiment de ce sujet, c'était vraiment, voilà, j'ai pas tourné autour du pot, tu vois ce que je veux dire. Après il y en a pas mal qui ont mal compris, qui se sont dit que je vais totalement arrêter code, ce n'est pas le cas. Ouh, on peut peut-être la gagner celle-ci, peut-être la gagner, ça va être chaud, mais... Je vais pas totalement arrêter code les potes, hein. Je fais toujours des petits tournois, les petits PS League, etc. Des petits trucs fun de temps en temps. Après en compétition, c'est juste au niveau compétition que cette saison je ne la joue pas. Mais je vais peut-être reprendre la saison prochaine, mais sinon j'arrête pas code pour autant, tu vois, j'en ferai toujours un petit peu en stream, toujours des petits streams par-ci par. Non non. Putain. Non mais voilà, un grand merci à vous tous pour ça, parce que c'est, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de retours positifs, c'est quand même un choix compliqué. Et que pas mal de personnes l'aient bien compris. Et putain, mourez non. À la greu, dans ton dos mon pote. Ah, il va être dans mon dos maintenant. Non, c'est pas lui. Oh, dommage, ça allait être skillé. Le vieux quand même, qui a quand même quelques réflexes, attention. Attendez, parce que là il reste que... Putain, il y a 2 kills d'écart, il y a moyen de gagner, il y a moyen de gagner. Ok, we are in the lead, c'est ça les gars, c'est ça. J'arrive dans le... Il a compris ce qui s'est passé le mec ou pas? Non, j'ai perdu un duel important. Est-ce qu'on va perdre à cause de moi? Non, ça allait faire 96-96, attendez. Non. Bon bref. Je voulais aussi vous parler des Zeitlight. Bon, je sais, ça va vous casser les couilles. Oui, Gotha, chaque fois qu'il nous fait son dialogue, ça nous prend de parler des Zeitlight. Non, mais voilà, faut savoir un truc, c'est que j'ai recruté un monteur, donc je recherche encore un autre monteur, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Mais voilà, j'ai recruté un petit monteur qui s'appelle Rémi, qui bosse du coup avec Jericho et moi. Pour ceux qui n'ont pas compris, Jericho c'est aussi une personne avec laquelle je travaille, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est lui qui va se charger de faire mes prochains Nightlight. Donc c'est lui qui va être rémunéré sur toute la vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ouais, c'est mon image, sans moi tu ferais pas ce nombre de vues malgré que ce soit mon contenu. Du coup, voilà, je vais prendre 60-40, ça te dit comme ça, on fait ce deal. Non, il touche entièrement tout. Donc même pour les personnes qui m'aiment pas trop, qui disent ouais, Gotha il se fait déjà trop de thunes, je mets AdBlock pour ses vidéos. Bah voilà. C'est lui qui touchera tout l'argent en gros du contenu Highlight. Donc si vous kiffez son travail et que vous voulez l'aider, etc. Parce que là il est en intérim, ça, enfin bref, je vais pas lui raconter sa vie. Mais voilà, bah, je vous invite à désactiver le bloc ou quoi, même faire partager la vidéo, etc. Parce qu'il fait vraiment un travail de qualité. Tout le monde a kiffé. J'étais un peu sceptique, enfin sceptique dans le sens, est-ce que ma communauté va kiffer, que ce soit pas moi qui fasse la vidéo, etc. D'ailleurs, il y en a qui ont pas compris, qui ont mis. D'ailleurs, ça a fait très mal à mon ego. Hein. Je me suis pris une balle un peu dans le cœur, dans le sens. Tu sais, les petits commentaires qui sont super gentils pour Rémi, mais tu vois. Moi ça m'a quand même touché dans le sens, genre par exemple, Gotha c'est ton meilleur highlight, avant j'aimais pas trop, maintenant j'aime bien. J'en ai fait 4 auparavant, j'ai fait des zappings, bon tranquille, ouais c'est ton meilleur highlight, enfin il y en a eu plein comme ça, et de toute façon c'est le but que je recherchais. On a eu pas mal de candidatures, merci à tous d'ailleurs, et puis je crois qu'on a trouvé notre petite pépite là, le petit Rémi qui fait vraiment du travail de qualité. Parce qu'en fait il arrive à faire retranscrire dans les clips ce que moi j'essaie de véhiculer au quotidien. Et il y a ma petite patte niveau montage aussi, tu vois, il y a des trucs qui se ressemblent. Et puis il est bien meilleur que moi, tu vois, c'est ce que je cherchais en fait. Il y a eu pas mal de monteurs qui étaient un peu moins bons, qui étaient à peu près à mon niveau. Et puis lui pour moi il est vraiment au-dessus. Donc non, quand je dis je le prends mal, les commentaires qui disent qu'il fait des meilleures vidéos que moi, non vous inquiétez pas, c'est tranquille. Et puis il arrive à rendre des clips qui sont pas forcément drôles, tu sais, des clips moyens, et ça c'est pas sa faute, hein, c'est ma faute, hein, je suis pas quelqu'un de marrant, hein, à part quand je me mets tout nu peut-être, mais ça c'est autre chose. Non mais voilà, what? Ok, ok, c'est un challenge, je prends, le vieux prend, y a pas de souci. Il arrive, voilà, à rendre des clips moyens, bons et compréhensibles de tous. Même si tu joues pas à Chandel d'un, bah tu vas kiffer ta race. Donc pour ceux qui aimaient pas forcément Highlight ou qui n'ont jamais pris le temps d'en checker un pour voir, voilà, même si... En plus il y a du code dans le Highlight, y a un peu de code. Ok. Ok, ça va être chaud, on est deux.
Oh, j'ai cru que j'allais me suicider pendant un instant. Le dieu est là, mon pote! Par contre, mon pote, s'il commence à trop mourir, ça va pas le faire. Attention, le duel. Ah oh là 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 là, il s'est remporté par le joueur français. Non, mais voilà, et du coup, je vous invite vraiment à aller regarder pour ceux qui. Franchement, je lui montre ma copine, hein, qui joue pas à COD, qui joue pas à Chanzadin, qui joue. Le seul jeu auquel elle joue, c'est League of Legends, on est encore, tu vois, genre. voilà, elle est juste passée niveau 30 et ça s'arrête là. Bah, même elle comprend tout, elle a super évolué, etc. Et même elle m'a dit. Que c'était mieux que mes highlights à moi. Mais tranquille, tranquille, c'est pas grave. Non mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir et puis jeter un petit regard et faire votre propre avis dessus. Mais franchement, ça vaut le détour. Plutôt kiffant, et du coup, il va y en avoir de plus en plus. C'est-à-dire que grâce à Rémi, parce qu'avant, quand c'est moi qui m'occupais des athlètes, le truc c'est que ça me prenait une semaine pour faire un athlète. Et du coup, c'est une semaine où je ne pouvais pas stream. Donc si je ne peux pas stream, je peux pas avoir. Mon con. Si je stream, enfin si je fais mes highlights, bah je peux pas streamer du coup. Oh, j'ai appuyé sur le rewind là. Je peux pas streamer, du coup si je peux pas streamer, ça c'est l'effet boule de neige, du coup j'ai pas contenu, donc si j'ai pas contenu, bah j'ai pas d'highlight à faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un effet boule de neige et du coup bah être aidé par quelqu'un, c'est la première fois que je m'entoure de quelqu'un donc. Pardon? Le mec a fait. Je crois que je l'ai tué, il a fait une interface, il a dit ok, je me casse. Non vraiment, je crois que c'est ce qui s'est passé. C'est quoi ce game de merde? On joue une partie qui a déjà commencé, on la perd. Là, on arrive dans une game, on les 2v5 et ils se barrent. Putain, c'est relou ça. Bon, on a enfin une game, je crois. C'est bon, on va la jouer à fond celle-ci, c'est parti. Ok, 10-10, c'est parti, le challenge, on la gagne. Ok, j'ai eu peur de prendre une petite bastos là, mais tranquille. Oh, wow, wow, il doit y avoir pas mal de snipers. Aïe. Il doit y avoir pas mal de snipers dans ce lobby. J'ai peur que ça. Ok. Non mais voilà, sur à peu près 500 vidéos que j'ai fait. Oh mais non mais vous passez tous à côté de lui les gars. Bah oui, faut le tuer. Sur à peu près 500 vidéos, j'en ai fait 99 moi-même, tu vois, je me suis jamais entouré de quelqu'un ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est sûr que bah, c'est la première fois pour moi. Bon, il y a Jericho forcément. Jericho, vous savez, celui que vous insultez dans les commentaires en mode ah, c'est pavé de suceur machin, bah started from some comment en YouTube, no he mod me, tu vois. Ouais, c'est mon modo numéro 1 sur mes streams, ils m'aident pas mal dans il m'a aidé à trouver les monteurs etc etc. Et du coup, bah, c'est la première fois que je m'entoure d'une petite équipe justement pour m'aider. Parce que bon, toutes les personnes qui sont à peu près à plus d'un million, etc., qui ont une plus grosse communauté que moi, ou même un peu moins que moi, bah, ont tous des monteurs ou quoi que ce soit pour les aider. Et moi, j'ai toujours voulu faire le lone wolf, tu vois, le petit cavalier seul qui fait tout seul. Parce que voilà, je voulais qu'il y ait ma patte, mon amour dans la vidéo de ça. Et du coup, bah, je m'entoure de personnes là pour le coup. Donc il y a Rémi, il y a Jericho, il y a Félix, le graphiste de Zach Nani qui me fait des miniatures assez folles. Et voilà, pour l'instant il y a eux et je cherche encore un monteur justement qui serait plus dans de la VOD. Enfin, c'est à dire en gros, j'ai envie de faire un truc déjà. Ah, j'ai pas pu le tuer et rewind. Je vous ai parlé dans justement la vidéo fin de ma carcode que je ferai la chaîne secondaire, pas mal de la chaîne, etc. D'ailleurs, j'ai une petite question, donc je vais mettre des commentaires dans la vidéo au moment de la sortir. Donc il faudra mettre un pouce bleu sur le commentaire que vous voulez, c'est à dire je vais mettre deux commentaires. Ah! Allez, dégagez. En gros, j'aimerais bien, donc tous les mercredis et les samedis, comme j'ai dit, il va y avoir les highlights. Et j'aimerais bien que, donc un jour dans la semaine, je pense le lundi, on va dire, le début de semaine, tu vois, tranquillou, que je puisse vous mettre sur la chaîne principale un gameplay condensé, donc bien travaillé, justement, par un monteur que je recruterai, sur H1Z1. Ah, ah, ah. Tu vois, un petit gameplay tranquillou. Donc, je commence à avoir un bon niveau sur H1Z1. Je suis dans, là, actuellement, je suis dans le top 100 de la nouvelle saison. Et du coup, je commence à faire des petites games avoisinant les 20 kills et ça pourrait être sympa, je sais qu'il y en a pas mal qui m'en demandent. Et du coup, pourquoi pas une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, le lundi, faire un The Best Top 1 of the Week, tu vois, un truc dans le genre. Oh, j'ai un hélico. Tu vois, un petit truc comme ça, ça pourrait être sympa, je pense. Allez, hop, ça retourne à la maison. Donc dans les commentaires, je mettrai un... Je suis d'accord pour un gameplay par semaine condensé sur H1Z1 sur la chaîne principale et le reste sur la chaîne secondaire. Ou je ne suis pas d'accord, je veux voir que du Call of Duty. Déjà, je te laisse faire les highlights, sale con. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, mettez un petit pouce bleu sur celui que vous voulez, je comprendrai pas. Oh, mais attends, je peux faire la nuque là! J'ai cru voir 5, hein. Y'a moyen, hein. Non! Désolé pour vos oreilles. Donc je comprendrais parfaitement que vous soyez pas d'accord, que voilà, vous vouliez pas que la chaîne que vous avez connue pour des mob live, des trucs comme ça, bah qu'il y ait du H1Z1 qui commence à supploder de plus en plus sur la chaîne. C'est pour ça que je voulais choisir. Donc mettez un pouce bleu au commentaire que vous voulez, je le mettrai en même temps que je sortirai le Sunday Log. Et puis bah voilà, c'est vous qui choisirez, hein, c'est comme ça,
On est en démocratie, c'est vous qui choisissez les gars, vous êtes les rois. Sinon, bah, si ça se fait pas, je le mettrai sur la chaîne secondaire tout simplement avec les autres. Mais je pense que ça peut être un bon concept, un truc sympa. En plus, je commence à avoir un bon niveau, donc ça peut être cool. Sinon, pour les tournois PS League, parce que quand je dis je cherche un monteur justement pour la VOD, c'est pour faire justement ces condensés. Mais il n'y a pas que H1 dedans, il y a aussi sur code pour faire les petits condensés. Vous avez vu les petits RV3 Clubs dans Light Light là qui était sympa. Franchement, on a fait des belles choses et je pense qu'on peut faire un petit condensé sympa de ces tournois. Je vais en faire, je pense que je me suis engagé à en faire au moins deux par mois, donc je vais pas faire celui de ce week-end. Le turn! Oh, j'ai cru, j'allais lui mettre une petite patate là. Je préviendrai à chaque fois dans chaque Sunday Log quand la semaine d'après je ferai le tournoi. La semaine dernière je l'ai fait avec Nani, Carbone, mon petit frère, et Imad, c'était fun. Et en plus c'était ce qu'il est, dans le sens où on pensait qu'on allait se faire sortir dès le premier tour. Et au final on a défoncé pas mal d'équipes, c'était assez cool. Et du coup je ferai celui du 11 février le prochain, enfin le samedi prochain du coup. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description. Et je streamerai sur gotaga.tv. Donc à partir de 14h, je pars m'échauffer à partir de 14h sans code. Et le tournoi commence vers 16h. Donc si vous voulez du stream un peu code, bah rendez-vous samedi prochain à partir de 14h sur gotaga.tv les potes. Et puis voilà, donc je cherche aussi justement un monteur pour s'occuper de tout ce côté VOD, etc. Après sinon je le ferai moi-même, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce sera bien rémunéré en plus. Bon, si tu touches l'argent de la vidéo, vu que tu vois le condensé, il y a moyen que tu gères 10 minutes, il y a moyen que tu te mettes super bien mon pote si t'es chaud. Non mais tu vois ce que je veux dire, donc n'hésitez pas à contacter Jericho, je vous mets son Twitter, c'est lui qui s'occupe de ce côté recrutement, etc. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc samedi prochain, le tournoi pour ceux qui veulent s'inscrire. Dans le dernier, c'était plutôt cool, on a rencontré pas mal d'abonnés, des bonnes équipes et tout, ça s'est bien passé. Et puis les Icelight, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour soutenir notre copain Rémi. Franchement, je pense que vous pouvez vraiment poser un nouveau regard sur les Icelight. Et malgré que la plupart pensent que c'est un monteur, meilleur monteur que moi, non mais franchement, il est vraiment chaud et ça fait plus... plutôt plaisir et je pense qu'il y a moyen de faire des grandes choses comme ça. Et du coup il y aura, tout le monde est gagnant et c'est ça qui est plutôt putain, j'arrive pas à parler, c'est dingue ça. Rémi, garde ça pour un nightlight, c'est plutôt mal. Non bon, allez, sur ce je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me faire part de vos ressentis dans les commentaires, mettre le petit pouce bleu sur les commentaires pour avoir votre avis, la démocratie, tout ça vous connaissez. Et puis je vous retrouve très vite pour un prochain Sunday Log tout simplement. Tchuss les gens.